J'ai l'insigne honneur de vous donner lecture du décret portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République décrète, vu la Constitution, notamment ses articles 49, 53, 54 et 57, M. Sidiki Kaba est nommé ministre des Forces armées. M. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget. M. Malik Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mme Aissata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. M. Antoine Félix Abdoulaye Diom, ministre de l'Intérieur. M. Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. M. Amadou Ott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Mme Maria Massar, ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public. M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Mme Ney Sali Diop Dien, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. M. Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. M. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. M. Serigne Mbaytiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. M. Oumar Gueye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement. M. Mamadou Tala, ministre de l'Éducation nationale. M. Cheikh Oumar Anne, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mme Sophie Gradima, ministre du Pétrole et des Énergies. M. Chamba Niobenka, ministre du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale. M. Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, moyennes industries. M. Alioune Ndoye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime. M. Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable. M. Matarba, ministre des Sports. M. Abdoulaye Saïdou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Mme Aminata Assom Diatta, ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises. M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. M. Ali Salé Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Mme Néné Fatoumata Tall, ministre de la Jeunesse. Mme Zahra Yann Thiam, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. M. Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. M. Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. M. Yankoba Diatara, ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications. M. Moïse Diar Diegan Sen, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. M. Mamadou Saliou Sow, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. M. Mayassine Camara, secrétaire d'État auprès du ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, chargé du réseau ferroviaire. Mme Victorine Ndeye, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargé du logement. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 1er novembre 2020. Signé Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall.